est tabé promis cette année. Je m'étais bien dit, Joe, cette année, tu vas leur donner quelque chose de beau à Noël. Tiens, ma grand-fille, j'y donnais un séchoir. J'en ai vu un l'autre jour qui était pas trop trop cher, là. Elle qui a des beaux grands cheveux blonds. Puis à mon gars, un train électrique. Tu sais, comme ceux qui annoncent à la télévision, là. Oh ben ça, moi, si j'avais eu ça quand j'étais petit gars, oh, je sais pas ce que j'aurais fait. Puis à Titite, ma femme, elle, j'y donnais une belle boîte de parfum. Oh, je pense qu'elle aurait aimé ça. Mais là, pas tard, je suis mal pris, Titite. Je sais pas comment dire ça. Ça fait un mois que je travaille pas. Toi, Titite, tous les jours, tu me dis, t'as bien l'air bête, Joe. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Puis à tous les jours, je réponds, y'a rien. Et dans le fond, j'aurais bien envie de te dire que ça va pas. Oh, je sais bien que tu seras la première à me comprendre. Mais je peux pas. C'est pas le temps, Titite. C'est Noël. J'ai plus une maudite scène. Je suis même plus capable de donner quoi aux enfants pour Noël. Je suis même plus capable de faire vivre ma famille, maudit. J'ai honte. J'ai toujours travaillé, tu le sais. Oh, bien sûr, je faisais pas des gros salaires. Mais au moins, on pouvait s'en sortir. Ça fait un mois que je pars tous les matins à 8h. Et que je reviens à 6h le soir. Je fais semblant de travailler. Puis pendant ce temps-là, ben, je regarde les petites annonces, je me cherche un job. À toutes les places où je vais, ou bien ils me disent qu'ils ont déjà engagé quelqu'un, ou bien ils me disent qu'ils veulent des jeunes. Entendez-vous ça, vous autres? J'ai même pas 45 ans, puis on me dit déjà que je suis trop vieux. Ouais, trop vieux pour eux autres. Mais trop jeune, par exemple, pour prendre ma pension. Oh, si au moins il me restait de l'argent en banque. Mais non, j'ai pris mon dernier 30$ hier soir pour payer l'épicerie. Oh, Titi, t'as dû trouver ça drôle que je m'achète pas de bière. Oh, c'est pas que je suis un ivrogne. Mais j'aime bien ça, ouvrir ma caisse de 12 de temps en temps. Il y en a qui se payent des voyages, il y en a qui se payent le gros char. Moi, c'est ma caisse de 12. C'est mon seul plaisir. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu y dire? Ou bien si je dirais pas que je travaille plus depuis un mois, et que j'ai plus une scène à moi. Pas une bâtarde de scène, le téléphone. Allô? Ouais, c'est moi, Arthur. Ben non, j'écoute pas radio. C'est que tu dis? Quoi? On a gagné le 5000 pièces? À nous deux? Arthur, tu... T'es sérieux? Arthur, t'es sérieux? Chacun 2500? Je te rappelle tout à l'heure. Merci, mon Dieu. Oh, merci, petit Jésus. Hey, t'es capable d'arranger les affaires pour le bon Dieu quand tu veux. Hey, les enfants! Attendez-moi, là! Je m'en vais au magasin! Je vais revenir dans une heure! Attendez-moi, là! Merci, mon Dieu! Merci, petit Jésus!